Amélie fait un gâteau, écrit par Domitille de Présancé aux éditions Casterman. Il pleut. On s'ennuie. Et si vous faisiez un gâteau pour le goûter, dit maman. Quelle bonne idée! On met les tabliers pour ne pas se salir. Pour faire le gâteau, il faut des œufs, du beurre, de la farine, du sucre, du chocolat fondu, de la levure. On mélange tout dans le saladier, on verse la pâte dans le moule. La maman d'Émilie la mettra à cuire dans le four et ça deviendra un vrai gâteau. Oh, Nicolas, t'exagères? Ben quoi? C'est bon le chocolat fondu. Moi aussi j'en veux. Oh là là, il n'y a plus de chocolat. Et alors, ça fera un gâteau au chocolat, sans chocolat, tiens. C'est moi qui casse les œufs, dit Stéphane. Non, c'est moi, c'est moi. Oh, les œufs sont tout écrabouillés par terre. Moi, je sais. Il faut renverser la farine sur les œufs. Ça vole partout. Ha ha, Arthur est tombé dedans. La porte s'ouvre. Maman entre dans la cuisine. Elle n'est pas contente. Il faut tout nettoyer et puis se laver. Et comme il ne reste plus rien pour faire le gâteau, il n'y a que du pain et du beurre pour le goûter. Ça ne fait rien parce qu'on s'est super bien amusé.